En ce moment, je regarde la série Good Doctor et ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. En fait, je crois que les scénaristes américains n'aiment pas les infirmières, hein? Pourquoi vous ne respectez pas? J'ai vu une infirmière sur une hyperthermie tapoter le front du patient avec une compresse d'eau froide, comme ça, la Charlene Gals. Mais non! Je sais pas, moi, tu poses une voix, tu passes du paracétamol, tu fais quelque chose! Ben non, la meuf, elle s'est prise pour Dr. Quinn. Amenez-moi une bassine d'eau, des serviettes propres et une aiguille. J'ai vu une infirmière sur une crise d'épilepsie tapoter l'épaule du patient comme ça. Allez, ça va passer. Et on essaye de pas avaler sa langue. Mais non! PLS, canule, oxygène, rivotril, je sais pas, moi, faites quelque chose! Et là, elle est en train de recommencer. Il y a une hypoglycémie et regardez ce qu'elle est en train de faire sur une hypoglycémie, la conne! Allez, il est en état de choc hypoglycémique. Dextrose à 50%. Et le docteur, là, ce génie, il comprend que son patient est en hypoglycémie juste en lui prenant le pot. En dextro, pourquoi faire? 0,42. Et l'infirmière continue de lui tripoter la coiffe des rotateurs, tranquillou bilou. Allez, ça va aller, vous n'avez plus du tout de sucre dans le sang et votre cerveau est en train de se dessécher comme une couille du troisième âge. Couille!